Salut à tous, c'est Jidai et bienvenue dans l'épisode 37 sur Super Mario 64 Last Impact. Alors la dernière fois on avait battu le boss final et tout, c'était sympa. Maintenant on va aller dans les niveaux qui nous restent parce qu'il en reste quand même pas mal. Enfin il en reste deux principalement, deux gros niveaux, et après je sais pas au niveau des étoiles secrètes, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas on a encore deux beaux niveaux à parcourir, à savoir le niveau 12 et le niveau 15. Merde. Oh non, je suis complètement bloqué. Non, c'est bon. Non ! La vie ! On a récupéré nos 10 petites vies, on peut y aller. J'aimerais juste faire un petit tour de toute la map, justement, pour voir s'il n'y a pas des trucs exploitables. S'il n'y a pas des trucs à faire. Notamment en montant sur les champignons, là, peut-être. Attendez, si on fait un rebond, là... Voilà, là on est là-dessus. Y'a rien de spé, on dirait. Non. Là non plus. Ok, donc y'a rien dessus déjà. Mais attendez, y a combien de monde là encore? Ça, on n'y est jamais allé. C'est quoi ce bordel? Oh! Le niveau secret du swag. Luna Park, très bien. Putain, c'est bien. Wow. Ok. Ok, ben c'est un truc à 8 pièces rouges, je sais pas s'il y a autre chose. Ok. Je sais pas si on peut marcher sur le sol, a priori oui. Là c'est... Ouais, tranquille. Je me demande s'il y a plusieurs étoiles ou pas dans ce monde là. Ok. Merde. Aïe aïe aïe. C'est sympa comme petit monde en tout cas, hein. C'est cool. Y avait pas un panneau? Non, y a pas de panneau. Je croyais avoir vu un panneau. Si, y a un panneau là. Ah, c'est pour du mini-jeu ça. En plus, y a un mini-jeu à débloquer. Sûrement le dernier. 30 secondes. Ok. Donc le dernier mini-jeu est là, il est entre nos mains. Ok. Il y en a 5 à choper. Je pense que ça va être chaud. Aïe aïe aïe. Je vois pas. Merde, il y en a un qui est tout là-bas. Ok, le quatrième est là, mais le cinquième, je vois pas où il est. Il en manque un, je sais pas où il est. Faudra revenir dedans pour débloquer. Ok, et de 4. Ah, c'est dommage ça. C'est quoi ça? Ok. Putain, il y a vraiment toutes les attractions possibles. Est-ce que ça monte ça? Oui! Putain, c'est génial. Ok, c'est bien cool. Petit niveau improvisé. Ça monte haut, est-ce qu'il y a une pièce rouge en haut? Il y a quelque chose? Oui, il y a une pièce rouge. Merde, ça va redescendre. Ah. Putain, c'est énorme. Ok, c'est reparti. Peut-être en préparant un salto arrière légèrement en diagonale. Je sais pas si ça suffira. Ok, ça monte.
Yes. Je veux faire la... Merde, j'ai pas pu faire la descente. Je veux juste, mais juste pour le plaisir de... Regardez ce qu'on va faire. Par une nuit d'orage il y a fort longtemps, 5 personnes passèrent les portes d'un ascenseur pour vivre un cauchemar. L'orage est maintenant de retour et les portes s'entrouvrent à nouveau. Mais cette fois-ci, elles s'ouvrent pour vous. Bon, allez. On va continuer de faire le tour pour essayer de trouver les pièces rouges qui nous manquent. Je sais pas si là, il y en a à choper dans le petit carrousel de Yoshi. Pep, 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 c'est quoi ça? Alors... Comment ça, mais... Je comprends pas ce qu'il faut faire. Amène tes amis, ok, moi je veux bien, mais... Ça sent le Yoshi, ça, un peu, non? Écoutez, on verra plus tard. Oui, moi, à la base, j'étais venu... Alors, attendez, là, il y a une pièce rouge, potentiellement. Il y a une pièce rouge en haut, là, il me semble. Ok, en effet. Donc on en est à 6, il en manque 2. Bon, a priori, le train il est pas faisable, hein, c'est juste. Hop. Ok, pour l'instant ça va. Hep, 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 il y a un truc là-dessous là. Il y a l'air d'y avoir un canon. Ah, et la dernière pièce rouge, elle est là. L'autre est sur le looping en face. Normalement, d'ici, il y a moyen de viser le haut du carrousel. Ah! Ok, c'est bon. Du coup, le carrousel, il est rattrapable à cet endroit-là. Et il y a un Yoshi ici, en effet. Donc, à mon avis, ça va être lié à Yoshi, je pense. Ok. Bon. Non, je veux pas tomber maintenant, moi. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, on a eu la 8e pièce rouge et du coup, on va aller choper cette étoile. Hop là. Wow. Et voilà, c'est la 110e étoile. On va en choper encore 3, il me semble. Non, encore 2, pardon. Oui, parce qu'on en fait que... C'est vrai que dans l'épisode précédent, on en a fait 4, mais en général, on en fait 3. Donc c'est reparti. J'aimerais bien comprendre ce truc avec Yoshi, là. Et savoir combien il y a d'étoiles dans ce niveau secret. Donc Yoshi est tout en face, là, pour l'instant. Hop, donc on va aller chevaucher Yoshi. Et puis il y a aussi, attendez, il y a le truc du mini-jeu d'abord. On va d'abord tenter le truc du mini-jeu, mais j'aimerais... Je sais toujours pas où se trouve la dernière pièce. Non, je l'ai pas eu. Putain, c'est chaud. Non. On perd trop de temps dès qu'on se prend quelque chose comme ça. Ok, 2. Il y a une troisième. Ah, je la vois, la quatrième. Elle est beaucoup trop loin, là. Enfin, je vois la cinquième, en fait, du coup. Ok, bon. Il va falloir recommencer. Si je fais quitter niveau, ça va me refaire partir super, super loin, donc ça m'embête un peu. Déjà, on va tenter le truc avec Yoshi. Alors... Ok. D'accord, donc... C'est hyper dur de viser. Ah, je l'ai eu. Et donc, quand je vais revenir... Ah merde, elle revient. Faut que j'ai assez de munitions, en fait. On va essayer de choper plus de Goomba. Hein? Je
pas si on va en trouver assez de ces Goombas là. 3. J'en ai entendu un autre. Ah, il y en a un autre. 4. C'est tout, il n'y en a pas d'autres? Ah si, il y en avait un là-bas. Ah mais on peut en avoir que 3. Ah ouais, on peut en avoir que 3. Ok. Ah, je peux pas lire le panneau en plus maintenant. Hein? Alors, je vais relire le panneau. Je comprends pas comment on peut toutes les shooter si à chaque fois qu'on bouge, elles reviennent. J'avais pas un autre Goomba là, voilà. Ok. Et donc la dernière. Merde, je l'ai pas eu. Ok. Il nous faut retrouver un Goomba. Un Goomba. Ah, il y en a un là. Ah, on peut pas remonter, faut refaire le tour. Ah si, on peut par là. Hop. Allez, cette fois, pourvu que ça le fasse. Et on peut les stocker. On peut pas les stocker, de toute façon, les trucs. Comment faire? Sachant qu'on peut pas avoir toutes les cibles et qu'on peut avoir que 3 œufs. Bon bah c'est chiant parce que ça va nous faire du trajet, mais je pense qu'on va devoir sortir et re-rentrer. Putain, ça nous fait revenir là. Retenter le truc des mini-jeux là. Allez, putain, c'est pas vrai. Putain, il est super loin celui-là. Ah ouais, non mais là c'est mort. Oh là là. Celui-là déjà c'est forcément en dernier qu'il faudra le prendre alors. Ok, moi ce Goomba on va le laisser là pour l'instant, mais bon, même enfin, on n'arrivera jamais à l'avoir d'ici quoi. Peut-être que si, on verra. C'est quoi si je fais un tour de ça avec le Yoshi? Bah rien. Allez, tu vas kiffer Yoshi, t'inquiète. T'aimes pas les sensations fortes un peu? Hop là. Ok, bon alors on va tenter avec le Goomba de derrière là qu'on pourra peut-être choper de loin. Même si j'y crois moyen, très honnêtement. Donc on va commencer par cette cible là. Ok. Là il faudrait qu'on arrive à choper le Goomba. Impossible à avoir moi je pense. Hein. Allez, allez. Allez. Ah non, il est trop loin. Allez. Non, non, bouge pas. Là. Allez, prends-le. Prends-le. Non, bah je peux pas le prendre d'aussi loin. Du coup, je comprends pas bien. Normalement, là, ça va le faire. Peut-être c'est juste celle de gauche, on s'en fout. Allez, hop. Et il en manque toujours une. Ah, il est tout près là. Voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc j'ai un petit œuf. Allez, on la tente. Je l'ai balancé trop loin. Oh non. Oh la tristesse du truc. Il n'y a pas d'autres Goomba dans le coin, forcément. Ah mais il y a des trucs là, d'accord.
mais c'est easy, putain, j'avais pas compris qu'il y avait des trucs dans les seaux. Ah putain, je me suis fait chier pour rien, je me disais c'est chaud. Ah peut-être quand même c'est limité, faut pas trop que je fasse le con. Presque. Là. Et voilà, et on a une nouvelle étoile. Ok, c'est cool. Ok, et ben c'est la 111e étoile. Alors on va quand même retourner là-dedans parce qu'il faut toujours qu'on débloque le truc du mini-jeu. Donc c'est parti. Et puis du coup, je pense qu'après on se fera un petit mini-jeu justement pour changer un peu. Mais à mon avis, vu que c'est le dernier, ils ont fait un truc bien chaud quand même. Parce que c'est pas évident, hein. Je sais pas dans quel ordre je vais les faire. Putain. Ok. Bon, tant pis maintenant que je suis là, hein. Putain, c'est faisable, mais c'est chaud, mais c'est faisable. Ah. Oui. Donc maintenant, est-ce que je peux quitter le niveau comme ça? Normalement, oui. Et on va tout de suite aller voir dans la maison de Todd si y a tous les mini-jeux. Oui, complètement. Ok. Eh ben, on part sur le troisième. Et on va écouter les règles que je ne vais pas comprendre, puisque c'est en anglais. D'accord, en gros, faut récupérer le plus de pièces possible sans tomber, de ce que j'ai compris. Ok. Bon, bah, c'est compris. Bon, alors ça, je vais pas trop kiffer, je pense, mais... Donc, faut récupérer au minimum 10 pièces. Pour avoir une étoile. J'aurais pu prendre celle qui était à gauche. Ok. Ok, j'ai compris le principe. Ah, on perd des vies là? Sérieux? On perd des vies quand on meurt comme ça? C'est pas cool ça. Ok, bah c'est reparti. Putain, j'ai... D'accord. Ah ouais, on perd des vies, aïe aïe aïe. Ok. C'est pas cool ça. C'est pas sympa. Ok. Wow. C'est hyper chaud en fait. C'est hyper chaud parce que la caméra, comme d'hab. Alors clairement ce mini-jeu là je le trouve pas fou. Hein. Ah, ça tourne à des vitesses variables en fait. D'accord. Ok. Ok. Wow. Ah, d'accord. Ça peut aller dans les deux sens. Non, non, la caméra, tu restes derrière. Ah, ou alors c'est... Ah, mais d'accord, c'est moi qui... D'accord, c'est moi qui régule la vitesse, en fait. D'accord, d'accord. Merde, merde, merde. Bah non, c'est bon, je veux plus aller par là, maintenant. Ah oui, il y a du temps et tout, d'accord. Allez, trois petites pièces, là. Ok. Ok. Allez, 10 pièces. Ouais, c'est pas terrible comme mini-jeu. Et time's up. Ok. Et on a notre 112e étoile. Bon bah voilà, bah c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à très bientôt où on ira. Et cette fois, c'est promis, dans le casino. À bientôt, salut!